Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire 5 clés pour vendre au bon prix. Donc, je ne suis pas seul, je suis accompagné. Eh oui, Thomas Bresse, pour vous servir. Et Frédéric Navarro. Donc, on est très content d'être là avec vous. On a compris qu'il y avait un très gros intérêt pour le sujet. Donc, on espère ne pas vous décevoir. En tout cas, la pression est là. Et donc, je vous invite à démarrer ce webinaire. Participation record. Ouais. Merci pour votre intérêt. Donc, on va démarrer sur les 5 clés pour vendre au bon prix. Une mini introduction pour nous. Le bon prix, c'est cher. Hein, donc, on va parler de prix cher, assez élevé. Alors, je pense qu'on voit bien mon écran. On va un petit peu se représenter. C'est bon, on voit la présentation de BMSP, Thomas? Parce que j'ai pas mon retour. C'est parfait. Ok. Pour présenter un petit peu BMSP qui on est issu du métier de prestataire informatique. On a revendu nos activités. On est devenu en fait, on va dire dans les premiers MSP français et on connaît bien on va dire les outils et la façon dont on les utilise. Donc notre activité, c'est de distribuer tout un écosystème d'outils MSP cloud sur le territoire français et de vous aider à les intégrer, à en tirer le profit et les effets de levier. Donc, on propose vraiment un écosystème complet, que ce soit via Autotask sur la gestion de parc de manière proactive et la gestion de son activité, Datto pour la sauvegarde et la reprise d'activité as a service, Webroot, qui est un antivirus full cloud dont l'intelligence est déportée dans un réseau, donc tout le temps à jour, très facile à déployer. BrightJauge est un outil qui permet de faire du reporting et du dashboard un peu plus avancé sur le marché. Côteware, c'est quand on veut, on va dire, aller plus loin et dans l'industrialisation de devis de proposition. Et ITGlue va être un outil qui va vous permettre de gérer tout le savoir technique de vos clients et de proposer une plateforme collaborative et de centraliser l'information pour être le plus effectif possible auprès de ses clients. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, resituer qui nous sommes. Alors avant de commencer, je voulais un petit peu revenir sur des prérequis quelque part quand on vend du service est relativement cher. Si on veut se positionner sur ce créneau-là, il faut répondre, on va dire, à certaines règles. Tout d'abord, c'est de faire de la qualité. Hein, donc, quand on veut faire de la qualité, que ce soit dans ses interventions, dans son recrutement, dans les critères de qualité, dans le déploiement de ses outils et ce qu'on va déployer comme solution chez ses clients, c'est de se dire, je veux faire mieux et toujours être en veille et être dans une amélioration continue. Donc, la question à se poser, c'est, est-ce que j'ai envie de faire une offre de service qui n'est pas forcément très onéreuse avec une qualité, on va dire, peut-être moyenne, ou plutôt faire quelque chose d'un petit peu haut de gamme avec un prix en adéquation. Donc d'avoir au-delà d'un prix élevé, que ça en vaille le prix. On y reviendra par la suite. Je pense que c'est surtout faut que derrière la qualité du service suive, parce que si on vend un service cher, bah, il faut que voilà que derrière se délivre, que les niveaux de qualité soient en rapport avec le prix. Une règle aussi, c'est de parler au bon interlocuteur. Donc nous, ce qu'on engage vraiment, et notamment pour une cible de client qui n'a pas de correspondant informatique en interne, parler au dirigeant ou tout du moins à la personne qui va décider. Rester sur le correspondant technique, ça peut rassurer. On a rencontré beaucoup de prestataires qui, quelque part, on parle de technicien à technicien. N'empêche que ça vous aidera pas à valoriser votre offre de service par rapport aux enjeux de l'entreprise qui seul le dirigeant détient. Ça, c'est quelque chose, on va dire, d'important à respecter. Je vais pas revenir sur, on a déjà fait un webinaire sur le sujet, mais c'est d'avoir une offre qui soit simple, qui soit packagée, avec un périmètre relativement large, hein, parce que si vous adressez des clients qui n'ont pas de correspondant technique interne, bah, faut pouvoir jouer le rôle de département informatique pour cette entreprise, et aussi un prix qui vous permet de faire de la marge et donc de délivrer le meilleur service qui soit. Un prix plus cher que les concurrents, l'idée c'est d'aider le client à se poser la question, mais pourquoi vous êtes plus cher? Est-ce que c'est parce qu'il y a une qualité supérieure? On peut prendre l'exemple d'une voiture, une Mercedes sera toujours plus chère qu'une Dacia. Ce sont deux voitures différentes avec des matériaux différents et l'idée c'est d'expliquer pourquoi. Un conseil que
je pense tous les spécialistes du MSP, notamment aux États-Unis, vous donneront, c'est dédier vos efforts à la vente de récurrents. Et ce qu'ils disent même, c'est ayez au moins un commercial dédié à la vente de services récurrents. Donc, vendre au bon prix et vendre cher, c'est, je dirais, avoir l'opportunité de le faire et c'est d'avoir un nombre d'opportunités, un pipe suffisant pour y arriver. Donc, avoir un commercial dédié à la vente de services récurrents, c'est se focaliser et ne pas se disperser sur ce qui va faire du sens pour votre entreprise et vous aider à la valoriser. Donc, nous, on engage vraiment à ne pas combiner je vends du projet, aussi du service et du négoce, mais vendre que du service récurrent. Et l'idée, c'est avoir une personne qui va aller prospecter, taper à un maximum de portes pour trouver les bonnes cibles. Un point très important, alors bien sûr, on prêche en notre paroisse, mais c'est d'avoir les bons outils. Alors bien sûr, on en vend, nous, mais vous pourriez très bien vous dire, je vais en prendre d'autres. Les bons outils, pour nous, c'est des outils qui répondent aux critères MSP et qui vont permettre de délivrer le meilleur service possible. Les critères MSP, en très peu de mots, c'est vous permettre d'être proactif, d'industrialiser, ne plus faire à la main tout ce que vous allez faire chez vos clients, que ce soit à distance sur site, d'automatiser un maximum et d'avoir des outils qui parlent entre eux, qui soient intégrés, qui n'aient pas de ressaisie, de sources d'erreurs, etc., etc. Donc il y a toute une famille d'outils, un écosystème complet dans la communauté MSP. Et en général, ces outils sont intégrés les uns les autres et parlent très bien entre eux. Au minimum, on préconise d'avoir à la fois un RMM qui va vous permettre de gérer les assets techniques de vos clients et un PSA qui va vous permettre de fluidifier le service de vos techniciens, l'activité commerciale, ADV, etc. Voilà, donc le prérequis, on l'a parcouru ensemble. On va plonger dans le vif du sujet. En introduction, la première phrase que j'avais envie de vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on va parler que business, hein. L'idée, c'est de s'éloigner de la technique. Donc, oubliez tout ce qui est virtualisation, SNMP, LAN, on va parler que business. Vendre du service à la façon d'un MSP, c'est expliquer au client que l'informatique, on va dire, est une véritable fonction support qui va l'aider à développer et faire tourner son entreprise correctement. Donc, l'aider à faire le lien entre ce que vous allez faire et le développement de son entreprise. Si vous attendiez qu'on vous donne le prix d'une boîte mail ou d'un antivirus, ça ne va pas être le sujet aujourd'hui. Hein, l'idée, c'est de parler vraiment business et de faire le lien avec votre offre de service. Et j'aime souvent dire qu'un MSP, c'est souvent une personne qui est issue de la technique et qui a compris comment faire du business et comment l'informatique peut y contribuer. Première clé, l'idée c'est de s'éloigner de la vente d'ingrédients, donc une boîte mail, un antivirus, une solution de sauvegarde, mais le résultat final. Hein. Donc la question à se poser c'est quelle valeur ajoutée apporte mon service à mon client? Et encore une fois, je vais le répéter plusieurs fois, sortez de la technique et parlez business. Donc ce qui est important c'est comment commencer par comprendre le métier du client. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa dépendance à l'informatique? Qui sont ces utilisateurs? Est-ce que ces utilisateurs qui sont sédentaires, qui sont nomades, qui ont une maturité forte par rapport à l'outil informatique, ou qu'il va falloir accompagner, ou qui vont générer des demandes de support ou d'incidents? Comment est utilisée aussi l'informatique et par qui? Et aussi, la question à poser, c'est imaginez, bon, j'ai bien compris. Votre activité, c'est de la production ou c'est de la vente de services, vous adressez à tes clients, vos enjeux c'est ça, vos avantages compétitifs c'est ça. Donc, si ça tourne mal, s'il y a un moindre incident informatique, c'est quoi l'impact concret sur votre entreprise? Hein, qu'est-ce que l'informatique vous permet de faire et s'il y a un problème, qu'est-ce que vous ne pourrez plus faire? C'est intéressant aussi, c'est creuser l'expérience passée pour éventuellement avoir des données sur lesquelles se baser et pouvoir ramener ça à l'activité de l'entreprise. Et très important, c'est positionner la solution et pas les ingrédients. La douleur numéro un, en fait, chez les clients, c'est faut que ça fonctionne quelque part. Hein. C'est aussi leur permettre, en cas d'incident, de retourner au travail le plus rapidement possible.
J'aime bien prendre un exemple très simple, hein. C'est plutôt que de vendre, si on veut vendre une voiture, plutôt que de vendre ingrédient par ingrédient, le pneu, la batterie, etc. Si je prends l'exemple de la vente de leasing, de location longue durée dans le leasing de voiture, je vais poser d'autres questions. Je vais demander, ben, c'est quoi votre métier? Est-ce que ça sous-entend des déplacements? Est-ce que c'est très important de faire un maximum de rendez-vous dans la journée? Donc vous allez ça. Choisir un véhicule qui va vous permettre d'être disponible le plus possible et de vous coûter le moins cher possible, de consommer le moins cher possible. Vous les maîtrisez beaucoup, donc je vais vous proposer une solution de financement en intégrant tous les entretiens, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans, je vais recueillir le métier, les besoins et proposer la solution pour se déplacer adéquate. Bah, c'est le parallèle que je voulais faire avec l'informatique. Donc quelque part, c'est pas forcément le prix qui va importer, mais plutôt qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez délivrer. Donc je voulais faire une mise en pratique pardon, très concrète et prendre des exemples. Hein. On va prendre l'exemple d'un avocat. Bah, lui, il va facturer des heures, donc ce qui va l'intéresser, c'est de facturer un maximum d'heures, hein, donc ça va avoir un impact directement sur son chiffre d'affaires. Si on est dans le secteur de la santé, transport ambulancier, ben, l'idée c'est j'ai une informatique qui me permet de sauver des vies, donc je ne peux pas me permettre que ça soit indisponible. Ou j'ai une unité de production, hein, donc je vais devoir fabriquer des unités. Ben, c'est bien de livrer à ses clients en temps et en heure, et surtout en quantité suffisante. Donc l'idée c'est de pas quelque part vendre vos outils, mais plutôt ce qu'ils permettent de faire et les résultats qu'ils permettent d'atteindre, en plus de la tranquillité d'esprit, puisque bien souvent ces entreprises ne sont pas issues du métier de l'informatique, elles veulent faire tourner leur société et donc elles ne veulent pas s'en soucier. Donc le résultat final c'est mon offre, elle va vous aider à augmenter votre productivité. Je vais faire en sorte de limiter au maximum les temps d'interruption. Vous protéger contre toute perte de données, vous aider si vous êtes dans un, comme on a eu malheureusement le cas dans les Antilles, mais dans des endroits où il y a des catastrophes naturelles, de pouvoir externaliser vos données et continuer à travailler, et aussi vous protéger de toute perte de chiffre d'affaires, et donc on va regarder ensemble bah, de combien. Il y a un MSP qui disait à l'un de ses prospects, c'était 70 utilisateurs. Le temps de booter leur machine, ça prenait 5-6 minutes. Ils allaient chercher un café. Grosso modo, au niveau de l'entreprise, ils perdaient 15 minutes par jour. Donc lui, ce qu'il disait, c'est voilà, moi, avec moi, en travaillant avec moi, je vais faire en sorte de limiter ce temps-là à 2 minutes. Hein, donc si on calcule ces 13 minutes de gain sur 70 utilisateurs par jour, ça fait 15 heures de gagné, si on cumule toutes les heures. Sur une année, c'est 138 jours. C'est quasiment un mi-temps sur une année. Donc, lui, il va rapprocher le service qu'il va proposer en disant, ben, moi, je vais patcher vos machines, je vais les remettre à niveau, je vais vous mettre de nouveaux postes, je vais faire en sorte que mon RMM soit bien paramétré pour faire démarrer les machines tous les matins automatiquement avant que les personnes aient à le faire elles-mêmes. Et donc, on va petit à petit mesurer ce gain de productivité. Avec moi, vous allez gagner 138 jours sur l'année. Donc, on parle de manière très concrète. Ensuite, la deuxième clé, c'est d'avoir des données à sa disposition, de pouvoir les mesurer. Ici, on parle d'indicateurs de performance ou KPI. Ce que vont mesurer les MSP, on l'a vu récemment avec Thomas lors d'un webinaire sur le support. Ce qui va faire du sens pour un client, c'est de combien vous allez réduire le nombre d'incidents par employé par mois, en combien de temps, en moyenne, vous allez répondre en cas de problème. Et en moyenne, en combien de temps vous arrivez à résoudre un incident. Donc ça, c'est les KPI qui sont utilisés souvent dans l'acte commercial. On a vu des MSP qui disaient, bah voilà, moi, par rapport à votre situation actuelle et en passant avec mon service, mes standards, on va passer par exemple de 2 à 0,5 incidents par utilisateur et par mois. Si on calcule un coût salarié et un chiffre d'affaires potentiel par employé, je vais vous faire gagner tant d'euros par mois. Et mon critère très important, on en avait vu un MSP lors de notre voyage aux États-Unis. Lui, son temps de réponse était en moins de 5 minutes. Donc, il voulait être en dessous des 5 minutes tout le temps. Et c'est ce qu'il vendait à ses clients. Donc, il est important d'avoir ces KPI à disposition et puis de les utiliser dans l'acte commercial pour quelque part venir valoriser son service. Un autre.
Vas-y Thomas, oui, tu voulais me... Ouais, c'est vrai que c'est bien de pouvoir prouver le chiffre. Donc c'est vrai que nous, par exemple, ils ont des dashboards ou des choses comme ça. Quelque part, ils montrent en direct le temps de réponse de la semaine en cours, par exemple, ou de la semaine dernière. Donc ils arrivent avec des choses assez concrètes. Ou alors ils vont appeler leur ligne de support pour voir si ça répond bien, etc. Mais quelque part, prouver ce qu'on dit. Alors, c'est vrai que les MSP qu'on avait visités étaient très matures et ils remontaient toutes ces infos-là, ils suivaient tous les jours, vous voyez les écrans de télé, c'était dans tous les bureaux quelque part, au support, au commercial, à la direction. Donc, ils sont très orientés, mesurés et tangibilisés leur plus-value. Un autre exemple, quand on vient vendre un service quel qu'il soit, c'est souvent un loyer mensuel. Il y a une technique qui marche assez bien, c'est de ramener ça, on appelait ça le pitch à 1 cent. C'est un partenaire Datto d'ailleurs qui racontait sa technique pour vendre son service. Il dit, bah voilà, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour me dire, bah voilà, une société qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça représente par minute 1,90 €. Il arrondissait à 2 euros par minute. Et il se dit, ben voilà, si je vois une société qui en fait 5, 10, et ben je multiplie donc 5 millions d'euros, ça fait 10 euros par minute, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 20 euros par minute. Et il disait, voilà, je proposais un contrat de 500 euros par mois, donc il proposait un service de reprise d'activité, de sauvegarde, complet, de l'infrastructure chez le client. Ça représente 600 euros par an. Et en fait, c'est que 1 cent d'euros par minute. Grosso modo, pour protéger votre chiffre d'affaires, votre infrastructure clé, on va dire, ramener à votre chiffre d'affaires, c'est que 0,5%. Donc, il engageait vraiment. Le client se posait la question, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et surtout, est-ce que vous n'avez pas intérêt, et c'est ce qui est en train de se faire gentiment sur le marché, baisser votre police d'assurance à condition qu'on travaille ensemble? Parce que vous allez sécuriser et vous allez, au-delà d'avoir une assurance on va dire, de reprise d'activité, avoir les moyens pour repartir en très peu de temps. Donc c'était la tendance et ils vendaient vraiment ça comme une assurance de disaster recovery. Après, il y a certains partenaires aussi qui vont mettre en place des SLA. Donc ils vont se dire, voilà, avec moi, en travaillant avec moi, je m'engage à vous faire repartir en moins de 4 heures. Et au-delà, je vous verse des indemnités. Donc je vais faire en sorte de vous protéger vos données et en cas n'importe quel incident, je m'engage en moins de 4 heures. Parce que par rapport à votre activité, plus de 4 heures, ça pénalisera de manière drastique votre chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas se le permettre. Donc, je vais mettre en place ces niveaux de service-là. Alors, je voulais donner un petit exemple aussi de calcul de coût d'indisponibilité qui peut aider aussi. Si vous allez sur bmsp.fr/RTO, pour certains, vous l'avez déjà vu, vous rentrez des données en fait. C'est quoi le volume de données du client, son système actuel, en combien de temps il peut repartir, en combien de temps c'est sauvegardé, combien il y a d'employés, c'est quoi le coût moyen par salarié, par heure, les coûts indirects et le chiffre d'affaires. Ça permet en cas d'indisponibilité, de calculer un coût. Donc là, dans notre exemple, le coût d'indisponibilité, c'est 16 000 euros. Si vous le ramenez à plusieurs centaines d'euros par mois, le client va se dire, mais ça c'est intéressant de se protéger parce qu'en achetant ce service-là, j'évite ce coût-là et surtout la perte de clients, la perte de chiffre d'affaires, etc. Ça vient vraiment tangibiliser. Troisième clé, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour arriver à ce que vous allez vendre? Donc l'idée c'est de décrire un petit peu les moyens que vous allez mettre en place pour arriver à ces résultats et aussi vous différencier de la concurrence parce que il y a de la concurrence et l'idée c'est de un petit peu on va dire miner le terrain pour les concurrents en rentrant dans le détail que le client se dise eh bah chez vous j'ai ça, chez l'autre il est pas entré dans tous ces détails-là, donc je comprends pourquoi ça peut être moins cher. Donc je donne un petit peu des exemples. Vous allez mettre en place une gestion proactive de l'informatique. Et surtout, avoir des procédures
pour délivrer le même niveau de service et le même niveau de qualité à tous vos clients. Donc tout est bien procéduré chez vous pour être sûr que vous atteignez les objectifs que vous avez vous fixés avec votre client. Dans votre offre, il y aura la sauvegarde des données, ça sera externalisé, ça sera réparti sur plusieurs supports et vous allez tester en continu pour justement faire en sorte qu'il y ait le moins d'interruptions de service. Vous pouvez aussi parler de votre norme qualité au niveau recrutement. Chez nous, on va recruter des gens qui vont être hautement qualifiés. On a des tels critères de sélection et on va avoir des mises en place de formations réguliers. On va aussi centraliser toute l'information et la partager pour éviter toute erreur, augmenter la productivité. Quand on intègre une personne qui est nouvelle, elle ne va pas passer par une phase de découverte pour prendre en main votre incident et votre infrastructure. Elle va être tout de suite opérationnelle. Donc là, j'ai mis des exemples, hein, il y en a bien d'autres, hein, je ne sais pas si Thomas veut en rajouter, mais l'idée c'est un petit peu détailler ce que vous allez mettre en place pour y arriver. Quelque part, c'est aussi prouver que pour arriver à un résultat, il faut une méthodologie, il faut des outils, etc. Et ça permet de mieux expliquer la façon déjà dont on travaille. Ça permet un peu aussi d'ouvrir quelque part les portes de l'usine, hein, pour voir comment ça se passe derrière. Et puis ça, quelque part, ça sécurise, ça instaure une certaine confiance. Et c'est pareil, c'est toujours, ça contribue à appuyer et prouver ce qu'on dit. Ouais. Quatrième règle, c'est vos process. L'idée, c'est de faire vraiment la différence sur les process. Donc, on a déjà parlé dans des webinaires précédents du processus d'onboarding, mais l'idée, c'est quand vous prenez un client qui est toute une série d'actions pour être sûr qu'il soit bien géré par la suite et démarrer sur le bon pied. Ça peut être, vous allez remettre à niveau l'infrastructure, déployer vos outils. Standardisé, hein, c'est-à-dire vous déployez les mêmes technologies partout, comme ça vous gérez pas d'exception, vous allez augmenter votre efficacité en cas d'incident. Ce que font beaucoup de MSP, ils vont rencontrer les utilisateurs. C'est voilà, si vous avez besoin de nous contacter en cas de problème, voilà qui on est, comment faire et comment ça va se passer. Hein. Donc ça permet aussi de fluidifier la relation et bien souvent de baisser le nombre d'incidents. Tout va être documenté, vous allez faire l'audit, l'inventaire, pour faire en sorte que la prise en main soit la plus cadrée possible. Thomas donne souvent l'exemple, hein, d'un MSP qui envoyait une équipe de techniciens 15 jours pour être sûr que tout est bien carré avant de démarrer. Parce que plus on démarre bien dans l'onboarding, ça a un impact après sur la qualité de service que vous allez délivrer. Puis au-delà de ça, c'est vraiment expliquer le. Quand on a vraiment une approche proactive, c'est vraiment quelque chose de. C'est presque une philosophie, mais quelque part, c'est faire de l'amélioration continue. Et donc, faire ce process d'amélioration continue, c'est ça qui va faire la différence entre vous et la concurrence. Parce qu'ils ne vont pas avoir cette vraie logique de proactivité qui est vraiment l'essence. Du MSP, donc c'est pas juste, on dit souvent, hein, mais c'est pas parce que vous avez mis de la supervision que vous êtes proactif, c'est juste une des briques, mais c'est vraiment analyser en permanence tous les incidents qu'on a et chercher à les réduire, les éliminer, etc. Oui, parce que ce qui va coûter cher au prestataire, c'est son nombre de tickets en fait par utilisateur tous les mois. Ça coûte cher. Donc quand on est allé voir justement aux États-Unis des MSP, ils faisaient une revue des tickets pour justement avoir un impact sur le bruit des clients et notamment sur la marge. Ce qu'ils faisaient souvent aussi, c'est qu'ils disaient bah tiens, on a souvent des demandes pour comment utiliser tel ou tel outil. On va mettre en place soit, je sais pas, un mode opératoire qu'on va mettre à disposition des utilisateurs, ou une formation en ligne, ou un webinaire, pour justement monter en maturité les utilisateurs et réduire le nombre d'incidents et donc les interruptions pour le client final. Et pour revenir sur le prix, en fait, c'est vraiment quelque chose à faire comprendre au client que quelque part, il vous paye pas pour le temps que vous allez passer à résoudre ses problèmes, mais pour le temps que vous allez lui éviter de perdre avec des problèmes. Et c'est vraiment un changement de mentalité. Et c'est vrai que
Tant que vous n'avez pas réussi à faire à ce que le client il ait le déclic dans sa tête de comprendre qu'en fait, il ne vous achète pas du temps de dépannage, mais qu'il vous achète du temps qu'il ne va pas perdre, et qu'il a compris qu'il a basculé dans son raisonnement, c'est là que c'est gagné. On parle souvent de philosophie de médecine chinoise, hein. Je paye le médecin quand je suis en bonne santé pour rester en bonne santé. A contrario, je vais chez le médecin quand je suis malade et il gagne sa vie sur mes maladies. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Et ce qui est important aussi, c'est de faire le suivi des indicateurs. Est-ce que vous avez réduit le nombre de pannes, le temps de résolution, le nombre d'incidents, etc., etc. Donc là, je rappelle un petit peu la philosophie de la proactivité et d'un modèle économique, comme disait Thomas, où moi j'investis dans mon informatique pour pas que ça tombe en panne et mon prestataire il perd de l'argent si ça tombe en panne. J'ai mis un petit exemple de. C'était un rapport d'un prestataire où il disait bah voilà, on va prendre deux critères, les interruptions de serveur, combien on a eu dans l'année, combien de temps ça a duré par incident, avant, après, et aussi réseau. Et voilà les économies qu'on a fait et le pourcentage d'amélioration. Et ça, on va suivre ça dans le temps. Mais il y a beaucoup d'autres indicateurs, hein. Mais c'était des exemples que je voulais partager avec vous. Cinquième règle, c'est de se spécialiser. Ça peut être d'adresser une verticale, se spécialiser dans la santé, dans le service, les cabinets d'avocats. On avait rencontré un MSP anglais qui, lui, avait commencé par travailler avec un cabinet d'avocats et puis il avait commencé à développer le vocabulaire. Il connaissait les douleurs par cœur, les enjeux, par quoi il passait, les expériences passées. Et petit à petit, il a commencé à grenouiller dans cette industrie-là. Il a aussi intégré des composantes métiers, des niveaux de service qui étaient en lien avec le métier. Hein, et pour certains, ça peut être de répondre aussi à des normes de qualité, alors que ce soit lié à l'hébergement de la donnée, au processus de sauvegarde. Il y en a qui disent, ben, moi j'ai besoin d'avoir une rétention infinie ou pendant 10 ans, pendant 7 ans. Ben, vous apportez cette, on va dire, cette plus-value par rapport au métier. C'est vrai que un client, il va se dire, ben, moi je suis prêt à payer un peu plus pour un prestataire spécialisé qui connaît déjà ce que je fais, comment je travaille, ma culture, plutôt que quelqu'un qui finalement ne connaît pas trop et va rester aussi sur la partie technique et va découvrir un petit peu en même temps qu'on va se découvrir. Donc ça va justifier un prix plus fort. Et on a énormément d'exemples, hein. Ça peut être des personnes qui sont spécialisées pour les cabinets dentaires, etc., etc. Ça, c'est des idées, je pense, à considérer. En pratique, je voulais vous donner quelques idées. Quand on parle de prix, c'est vrai que ce qu'on engage vraiment, c'est de, on va dire presque tout le temps refuser toute négociation. Hein. Essayer de négocier un iPhone, Apple a ancré dans les esprits que la qualité du design, ça se paye. Et donc, ils ont réussi à quelque part se positionner à des prix assez élevés. Mais des petites règles, c'est de faire comprendre à votre client, si je baisse mon prix, je baisse mon résultat. Parce que je ne peux pas vous délivrer la qualité de service et les résultats que je viens de vous montrer si je rogne sur ma marge. Et c'est l'idée à se poser la question. Bah, si je paye un niveau de service, si je paye un prix bas, bah, j'ai un service en conséquence. Est-ce que c'est un bon choix par rapport à mon métier où l'informatique, ça doit quand même tourner, ça doit pas trop tomber en panne? Il y a un de nos partenaires qui utilisait une autre technique aussi qui disait bah, vous avez raison, nous aussi on a pensé à quelque part rogner sur nos prix, à baisser, être un peu plus agressif, mais ça nous demandait donc de baisser les résultats. Et on a décidé de ne pas le faire, parce que ça ne correspondait pas aux besoins de nos clients et ce n'était pas leur rendre service. Une autre bonne pratique, c'est de ne pas baisser son prix gratuitement. Alors certains vont engager sur du volume, je ne sais pas moi, plus d'utilisateurs, si c'est une offre forfaitaire à l'utilisateur ou si c'est agrandir le périmètre. Certains vont rajouter une option.
parce qu'ils veulent se dire, je veux garder un niveau de prix élevé. Donc ça, je ne veux pas le dégrader. Par contre, dans le cadre de la négociation, ça fait du sens, je rajoute une option et ça fait partie de mon prix final. S'il y a une mise en concurrence sur le prix en disant, ben voilà, moi j'ai un de vos concurrents qui offre un service et qui est moins cher, il y a un de nos clients qui disait, moi je faisais comprendre à mon client, quand il s'agit de mon entreprise et qu'elle fonctionne bien, je suis pas sûr que je serais très à l'aise à aller vers quelque chose qui soit du low cost. Je préfère payer le prix, être sûr que ça tourne. Et la dernière bonne pratique, c'est d'oser, hein. C'est vrai qu'on se dit, ah, ce niveau de prix, ça va pas passer. On commence à négocier avec soi-même. Et c'est dommage parce qu'on se limite les possibles. Donc, moi, je vous engage vraiment à oser et voir ce que le marché va vous donner en retour et aussi d'aller voir d'autres clients et aussi de vous améliorer dans l'acte de vente. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant que je présentais, s'il y en a. Il y avait des petites questions, mais alors il y en avait une, c'était quand on avait parlé du temps de réponse en 5 minutes, bah, c'était quoi le coût à facturer pour avoir assez d'effectifs pour répondre en 5 minutes? Voilà. Bon, déjà, c'est vrai que les MSP américains facturent très cher, mais bon, ça, on le savait déjà. Mais en fait, c'est surtout quelque part l'astuce pour répondre en 5 minutes, c'est qu'il faut avoir baissé le nombre de tickets qui est généré chez les clients à des taux extrêmement bas. Ce qui fait que du coup, bah, effectivement, vous avez très peu de tickets entrants, donc c'est facile de répondre en 5 minutes. Voilà. Ou 15 ou une demi-heure, c'est. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit assez souvent quand même des engagements sous les temps de réponse qui sont assez faibles. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vaut mieux avoir pas trop de tickets en entrant, parce que sinon ça devient vite compliqué. Oh, mais on a plein de questions qui arrivent. Alors, on marche à l'utilisateur, pas au nombre de périphériques. Voilà. Bon, là, on a déjà fait un peu ces sujets, hein, sur l'offre, mais vous pouvez vous refaire à nos webinars. Mais en gros, il y a effectivement soit on facture au device, ce qu'on appelle la facturation au device, au nombre de serveurs, de postes, etc. Après, les gens qui sont un peu plus matures vont facturer à l'utilisateur. Donc, qui inclut tous les devices d'utilisateur, alors éventuellement avec une partie infrastructure ou alors purement à l'utilisateur. C'est un peu tendance, hein, c'est ce qu'on voit avec les offres cloud, etc. Et il y en a qui vont aussi carrément afficher un prix frontal global. C'est-à-dire, ils vont dire, bah, pour m'occuper, ça va être 2000 euros par mois, 2005, etc. Ça va tout comprendre. Et puis après, ils vont quelque part, ils réajustent éventuellement le prix chaque année, suivant si le client est rentable ou pas, ou ce genre de choses. Voilà. Mais on a fait plusieurs webinaires sur le sujet, donc il faut aller regarder un petit peu sur notre chaîne YouTube. On en a déjà parlé. Deuxième question, à partir de combien d'utilisateurs peut-on proposer ces solutions à un client? Très bonne question. Effectivement, on vous encourage à pas aller sur des trop petites cibles, parce que les boîtes qui sont trop petites, généralement, déjà, elles vont avoir très peu de complexité technique, et elles vont plutôt chercher des solutions assez low cost. Donc, on va dire, c'est mieux de se donner un minimum de taille, ou sinon, idéalement, d'avoir un minimum de forfait récurrent, d'abonnement. Si quelque part vous dites, moi mon minimum c'est au moins 500 euros par mois, donc voilà, même si vous êtes trois, si vous êtes prêt à payer 500 euros par mois, y a pas de problème, on peut travailler ensemble. Mais on va dire, le tarif device utilisateur ne sera pris en compte que quand vous aurez la taille qui dépassera ce montant-là. Donc voilà, soit vous mettez une limite en nombre d'utilisateurs ou un prix minimal de facturation, un minimum de facturation mensuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille. Parce qu'en fait, avoir un client, quelque part, vous avez une espèce de coût fixe lié à la gestion d'un client, quelle que soit sa taille. Donc entre une boîte de 10 et 20, quelque part, vous avez une espèce de coût fixe pour le traiter qui va être le même. Il va vous falloir une documentation du client, etc. Donc ça coûte moins cher d'avoir deux clients de 25 que d'avoir
10 clients de 5 postes. Ouais. Alors, question supplémentaire. Peut-on envisager de passer par un commercial multicarte pour cette activité? Avez-vous des retours dans ce domaine? Je vais peut-être laisser répondre, Frédéric. Mon expérience personnelle a toujours été pas très bon sur les vendeurs multicartes. En fait, le vendeur multicarte, il coûte pas cher. Par contre, il va aller sur ce qui va lui rapporter le plus et ce qu'il fait, c'est faire le mieux. Je n'ai jamais rencontré un client qui était content. Jamais, 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 jamais. Et souvent, ils sont dépendants de ces gens-là, suivant les contrats qu'ils ont avec eux. Donc, en fait, il y a un investissement de départ quand on recrute quelqu'un, si c'est quelqu'un de temps plein, un investissement de départ pour le rentabiliser. Donc, il y a une machine commerciale à mettre en place. Faut qu'il ait les outils pour prospecter, le réseau, et que ça tombe le plus rapidement possible. Donc, faites un petit check sur est-ce que j'ai la bonne offre, est-ce que je recrute quelqu'un qui a déjà un portefeuille et en combien de temps il va pouvoir se rentabiliser. Moi, j'irai plutôt vers ce calcul-là. Après, je ne détiens pas la vérité, hein. Ils vont pas avoir des bonnes surprises, mais ça revient à avoir quelqu'un qui fait du négoce, qui vend du projet ou du service récurrent. Le mieux, c'est de dédier. Ouais. Et pour aller un peu plus loin sur la réflexion, c'est vrai que quand on se pose la question de recruter un commercial, etc., des fois, il vaut mieux investir en soi, c'est-à-dire se dire bah, c'est peut-être moi qui vais le faire, et de se poser la question bah, comment est-ce que je peux me libérer du temps? Et du coup, peut-être plutôt que d'embaucher un commercial, et Dieu sait si c'est dur de recruter un bon commercial et de le manager, bah, c'est peut-être de dire ben, quel est le profil qui va me faire gagner du temps à moi dans ma journée. Alors, est-ce que c'est un technicien supplémentaire, une assistante à mi-temps, etc. Il y a plein de solutions possibles, mais vous regardez ce que vous faites au quotidien et puis qu'est-ce qui fait sens pour vous libérer du temps. Et c'est peut-être ça la bonne solution. Vous allez voir dans beaucoup de blogs MSP, c'est partager du contenu à vos utilisateurs. Positionnez-vous comme le leader de l'industrie. Dites un petit peu vos bonnes pratiques et les gens vont venir à vous. Alors ça peut être du partage de contenu, de l'emailing, des événements, tout ce que vous voulez, aller dans des clubs associatifs ou des associations patronales, ce que vous voulez, mais qui puissent se dire entre un prestataire lambda et vous. Vous avez réfléchi à l'industrie, à c'est quoi ses évolutions, et donc on aura plutôt tendance à suivre le leader et lui faire confiance que quelqu'un qui vient juste prospecter sans qu'on lui ait déjà parlé. Donc il y a aussi des outils marketing, réseaux sociaux qui peuvent être utiles et qui ne demandent pas trop d'efforts et pas trop d'investissement au départ. Et après, vous voyez ce qui fait du sens, hein. Nous, on a des exemples de MSP qui ont démarré from scratch. Et qui rapidement ont recruté un premier commercial dédié et quelque part avec partage de contenu, avec quelqu'un qui avait déjà un portefeuille client, ils l'ont vite rentabilisé. Donc c'est possible. Sur la question du prix, je voulais juste rajouter, les clients qui fonctionnent bien, ce sont des clients qui vont être soit multisites, ou soit qui vont se dire, mais par rapport à ma taille, une trentaine de personnes, peut-être qu'il faudrait que j'ai quelqu'un en interne. Donc ils vont avoir des niveaux de prix de coût assez élevés et donc vous allez forcément être moins cher et avoir un niveau de service beaucoup plus élevé puisque vous allez utiliser tous vos outils et votre service sur tous vos clients, donc ça sera beaucoup moins cher. J'espère qu'on a bien répondu aux questions. J'espère aussi. Oui, si vous avez d'autres questions par la suite ou vous voulez qu'on en discute, moi, ce sera avec grand plaisir. Hein, c'est un sujet qui est très récurrent dans le MSP, c'est vendre le résultat final. En fait, la première clé du webinaire au début, c'était quelque part la plus importante, c'est vendre le résultat final. Ça va parler au client, ça va avoir un impact directement dans son entreprise, dans sa tête. Donc, posez-vous la question, les clients que vous adressez ou vos prospects, ça va être quoi le discours que vous allez mettre en avant et comment vous allez derrière réaliser le service? Est-ce que ça va sous-entendre de changer votre organisation, vos outils. Avec plaisir, on sera là pour en discuter avec vous. Bon, on va peut-être passer. On a un petit peu d'informations à transmettre entre-temps. Alors, Quelles sont qu'est-ce qu'on a? l'actualité du monde du MSP? Je te laisse présenter. Tu vas y aller de très près.
Alors, deux gros événements MSP à venir. Alors, il y en a un qui est un peu loin, qui est à Miami en Floride, qui va bientôt peut-être avoir la visite d'un petit ouragan, mais on va voir ça. 17 et 19 septembre, conférence Autotask Community Live, donc c'est la grosse conférence Autotask avec plus de 1000 personnes et en guest speaker. Bill Clinton, Ouais. carrément. Voilà, donc ça devrait être assez énorme. Donc nous on y sera, on fera des petites vidéos, etc. Donc vous aurez un peu ça. On essaiera de vous faire partager tout ça. Deux événements un peu plus proches de nous, à Londres, la Datocon. Donc c'est la Datocon est vraiment en train de devenir un des plus gros événements. Européen dans le monde du MSP, donc ça sera le 23-24 octobre à Londres. Voilà, je crois que c'est gratuit hein, si je ne m'abuse. Par contre, ils vont Oui, c'est ça. peut-être c'est peut-être réservé aux partenaires Dato. Par contre, ouais. Vérifier. Bon, si vous n'êtes pas partenaire, demandez-nous, peut-être qu'on pourra vous faire rentrer. Je pense qu'ils ont ouvert, puisque la Datocon cette année aux États-Unis, les gens qui étaient intéressés par Dato, ils étaient clairement identifiés pour avoir la bonne information et ils avaient, je pense qu'ils feront la même chose pour la Datocon Londres. Ouais. Donc sachez que de toute façon, dans ces événements, même si c'est toujours des événements éditeurs, je dirais que déjà le contenu des conférences, voilà, même si elle est un petit peu autour de l'éditeur, mais il y a toujours énormément d'autres keynotes, etc., qui sont beaucoup plus généralistes et liés au monde du MSP. Donc il y a toujours du contenu très intéressant. Et il y a toujours aussi tout l'écosystème des éditeurs qui sont présents, qui sponsorisent, qui ont des stands, etc. Donc ça permet aussi de rencontrer un peu tous les acteurs du domaine. Hein. Alors bien sûr, les gens avec qui on travaille, mais bien sûr, il y a énormément d'éditeurs qui sont présents sur ces événements et qui permet de se faire une meilleure idée de ce qui existe dans cet écosystème. Voilà, et puis pour le prochain webinaire, on vous donnera un peu plus de détails sur la thématique. Sachez que c'est le mercredi 27 septembre, donc à 11 h. Pour vous inscrire, bmsp.fr/blog. Et ça sera en lien avec ITGlue, on ne vous en dit pas plus. Voilà, c'est comment la documentation peut faire la différence dans votre entreprise. Très bien, et ben merci à tous. Et puis on vous dit à bientôt Merci à tous, merci de pour votre un attention, prochain à très bientôt. webinaire. Voilà, bien sûr, la vidéo sera enregistrée, mise sur YouTube. Excellente fin de journée. Au revoir. À bientôt, au revoir.